Comment affiner ses jambes après 50 ans? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une routine rapide, facile, efficace en 10 minutes. Vous n'avez besoin de rien, juste un tapis pour être plus confortable. Je vous explique comment à la fois affiner, allonger vos jambes tout en les musclant. Vous êtes prêtes? On se retrouve juste après ça. Ça va être une parfaite routine quand vous n'avez aucun matériel, juste vous. Peut-être un coussin si vous êtes sensible des épaules. J'aime beaucoup me positionner avec le coude pour deux raisons. Un, je vais travailler mon gainage, mes abdominaux et ma posture. Travailler aussi les muscles qui stabilisent mes omoplates pour vraiment dégager ici. Et souvent, on a tendance à arrondir et avoir une posture trop en intérieur. Fait que c'est une bonne position pour travailler, mais c'est exigeant. Si vous trouvez ça trop difficile et vous avez des problèmes d'épaule, ne vous embarrassez pas, tout simplement, un coussin ou un bloc de yoga. Ça peut être l'important est d'être confortable. Je vais rester dans cette position pour travailler mon gainage et mes abdominaux. Pour tout le monde, il est important d'allonger sa jambe, de vraiment aller chercher à étirer le muscle. On veut un muscle long, on veut affiner tout en musclant. Le secret pour ça, c'est d'amener le pied flex, donc talon vers l'extérieur, orteil vers moi, et de pousser au maximum pour vraiment créer un allongement dans le muscle. Ensuite, vous pointez. Vous maîtrisez ça, vous restez là. Premier mouvement, on va faire une routine de 5 minutes par côté, 5 mouvements, 1 minute par mouvement. Super simple. On est parti. Comme vous voyez, mon mouvement n'est pas grand. C'est pas parce que je ne peux pas lever ma jambe haute. C'est parce que je veux éviter de m'écraser. Vous remarquerez que souvent, quand on lève, on va avoir soit un rapprochement du bassin vers les côtes, soit on va twister ou tourner le bassin, ce qui peut créer beaucoup de tension dans le bas du dos. On veut un mouvement où on continue d'étirer et d'allonger pour affiner la cuisse tout en la musclant. Donc ici, on est vraiment sur les abducteurs. On respire, on se grandit et encore une fois, je gaine, j'étire, j'allonge, je rentre mon ventre, je maintiens une posture pour aller chercher à tonifier à la fois mes jambes, mais aussi mes abdominaux et à améliorer ma posture. On reste là, mouvement numéro 2. En avant, sans basculer le bassin, sans arrondir le dos, pointe en arrière. On est parti, 1 minute. Donc en avant, pointe en arrière. Encore une fois, mon mouvement est maîtrisé. Je ne balance pas ma jambe et je ne pousse pas vers l'arrière. Je maîtrise pour continuellement travailler avec mes abdominaux, ma posture et d'allonger. Plus vous allez améliorer votre qualité de mouvement, plus vous allez être en contrôle de votre mouvement, mieux ce sera. Si vous voulez, vous pouvez amener votre pied flex, orteil vers vous en avant et pointer en arrière. Tenez bon, on y est presque. Je sais que ça commence à être exigeant. Après celui-là, il en reste 3. Les épaules bien dégagées. Pied flex, pointé. C'est pas grave, si vous arrêtez en chemin, vous referez plus tard, plus longtemps cette vidéo. Mon conseil, gardez cette vidéo et refaites-la plusieurs fois dans la semaine, peut-être 3 ou 4 fois si vous voulez vraiment améliorer vos jambes. On relâche, on se donne une petite pause. Ça va, vous êtes avec moi? Ok, troisième mouvement, pardon, pour 1 minute. On va aller ouvrir, tendre, pied flex, sans bouger le bassin, plier et ramener. On est parti, 1 minute. Ouvre, tend, plie. Reviens. Encore une fois, je vais faire vraiment attention à ne pas m'écraser. Puis si vous sentez que vous commencez à vous écraser, vous êtes mieux de vous allonger et d'étirer la colonne. Hein. On est toujours dans un mouvement où on veut aller chercher à ouvrir, à dégager, à respirer. Donc pour la respiration, inspire, souffle, inspire, souffle. Inspire, expire, inspire. Expire. C'est pas grave si vous alternez la respiration. C'est pas grave si vous faites l'inverse. Ça n'a pas d'importance pour ce genre d'exercice. Par contre,
respirer est essentiel. Donc, quoi que vous fassiez, ne bloquez pas votre respiration. Donc là, ici, on travaille un petit peu plus dans les fessiers, en plus des abducteurs. On travaille aussi l'ouverture de la hanche, qui est vraiment fondamentale. Allez, c'est le dernier. Parfait, vous êtes magnifique. Ça va ? Quatrième mouvement. Je me remets sur les coudes parce que je trouve ça plus agréable de vous bien allonger mon dos. On va étirer à nouveau et on va faire un petit mouvement circulaire. Pour celui-là, on va faire 30 secondes dans un sens. Petit mouvement de 30 secondes dans un sens, légèrement pointé, étiré toujours, hein, la cage thoracique loin du bassin. Donc, je dessine un petit cercle. Vous allez voir mon époque. Je dessine donc un CD. Je ne sais pas si la nouvelle génération sait encore ce que c'est. Alors, pour qui ces exercices? Pour tout âge, finalement. On est prêt pour l'autre sens? Let's go pour 30 secondes de plus dans l'autre sens. Tout âge, vraiment, pour faire ces exercices, c'est certain. Et c'est des exercices magiques pour les jambes. Et comme je vous dis encore une fois, si vous étirez, si vous allongez vos jambes au loin, vous allez travailler un muscle fin. On ne veut pas avoir des cuisses épaisses et contractées. On veut garder vraiment un muscle long et affiné. Allez, on y est presque, on ne lâche pas et on relâche. Beau travail! Eh bien, je pense qu'il reste un exercice. Qu'en pensez-vous? On va aller un petit peu plus travailler les jambes et les abdominaux. Donc, cette fois-ci, je vais allonger vraiment ma tête, placer ma main au sol et je vais lever la jambe du dessus. Puis, je vais vraiment tapoter au sol devant moi, lever et amener en arrière. Remarquez que je n'ai pas bougé le bassin. Donc, je travaille aussi mon gainage. Mes côtes sont loin du tapis, j'étire au maximum. On est prêt? Alors, ensemble, avec moi, une minute en avant et en arrière. Je maîtrise mon mouvement, je gaine et je tire les orteils au loin pour continuer d'aller travailler. Deux possibilités. Petit mouvement de petite amplitude ou plus grande amplitude en faisant toujours attention à ce que le bassin reste bien aligné. Donc aussi, si on va en arrière, on ne laisse pas partir nos hanches. Donc on travaille le gainage. Pour ceux ou celles qui sont plus à l'aise et confortable, vous pouvez lever votre bras ou le placer le long de votre corps. Ça va faire travailler un peu plus les abdominaux en format gainage. C'est le fun. C'est pas obligé d'être toujours la planche qui est un gainage, hein. Le gainage, c'est de travailler dans l'allongement un muscle sans mouvement. Ici, je ne bouge pas mes abdominaux, mais pour maintenir mon corps stable, mes abdominaux doivent contracter sans arrêt. Et mes jambes se musclent en même temps. On allonge la nuque, on se grandit, on s'étire et on relâche. Allez, on va finir par ouvrir et étirer un peu, ça va faire du bien. On fléchit nos deux genoux, on prend la cheville et on amène le genou en arrière. On fait attention de ne pas cambrer. Ce n'est pas de tirer le talon à la fesse, c'est de basculer les fesses vers moi qui va faire que l'on va étirer le quadriceps. On va rester un petit quelques temps là, juste pour bien sentir respirer. Les étirements sont très importants. C'est vraiment toujours important de garder sa souplesse tout en se musclant. On relâche? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fini ce côté-là. La mauvaise, c'est qu'on en a un deuxième. Alors, on est parti. Donc, n'hésitez pas à prendre votre coussin. N'hésitez pas, si vous préférez travailler la stabilisation de vos omoplates, de bien vous étirer. Vous êtes sur la plage, vous êtes magnifique, vous êtes extraordinaire. Gardez le dos long, allongez la jambe, tirez au loin. C'est vraiment important aussi de vous congratuler. Vous êtes fabuleuse, hein. On est parti, une minute. Je mets le timer. Go! Fait que c'est important de mettre une petite musique sympathique pour faire ce type d'exercice. On lève et on abaisse. Encore une fois, ce n'est pas un grand mouvement. Si vous voulez faire travailler en même temps l'intérieur de vos cuisses pour faire vraiment un 3 en 1, on va dire, ben, je vais imaginer que je pousse vers le bas quelque chose de résistant. Donc, je presse vers le bas, je presse vers le bas. Toujours de la maîtrise dans notre mouvement. Gardez le sourire.
c'est toujours à cette jambe-là est plus difficile parce qu'elle sait ce qui s'est passé. Elle sait ce que l'autre a vécu, fait qu'elle sent déjà le travail. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment ça. J'ai toujours plus de difficultés pour la deuxième jambe. Donc on continue, on ne lâche pas. Il reste quelques secondes pour cette jambe-là. On respire. Encore une fois, vous pouvez inspirer, souffler en descendant, mais ce n'est pas grave si vous faites l'inverse. Ça va? On se prend une petite pause. Magnifique. On tend la jambe, pied flex. On pousse le talon au maximum au loin. On amène la jambe en avant. On pointe en arrière en maîtrisant le bassin. C'est parti pour une minute. En avant et en arrière. Sans débalancer les hanches, sans s'écraser, sinon prends le coussin. Toujours avec une belle maîtrise. Je gaine, hein, je suis toujours en travail abdominal dans mes exercices. Quoi que je fasse, que je fasse de la musculation pour mes bras, que je fasse des jambes, des fessiers, je travaille en permanence avec mes abdominaux. Ça, c'est vraiment la force des méthodes comme le Pilates ou l'Eccentrics. Donc, petite remarque, une fois on m'a dit « Ah, mais nous en France, on dit Pilates. Nous, au Québec et aux États-Unis, on dit Pilates. » Alors, désolé. C'est comme ça que je le dis. Pieds en avant et en arrière. En avant et en arrière. Donc faites bien attention à votre dos, ne rentrez pas, ne basculez pas, ne vous écrasez pas, restez étiré et allongé, utilisez le coussin si c'est trop dur pour vos épaules. Et on prend une petite pause, on relâche. Vous êtes fabuleuse. Allez, on continue les genoux ensemble. On presse, on ouvre, on tend la jambe, pied flex, on pointe et on revient. Encore une fois, une grosse maîtrise au niveau du bassin. Si je le fais la tête sur le coussin, c'est pareil. Je maîtrise ma hanche. Hein, je veux toujours aller chercher à garder mes côtes loin du sol. Imaginez que vous avez, si vous êtes allongé ici, imaginez que vous avez des petites fourmis là qui passent sous vos côtes. Allongez, grandissez, ouvrez votre poitrine, respirez, poussez, pliez, ramenez. Pas d'importance pour votre respiration, respirez. Ne vous cassez pas la tête. Pour ce type d'exercice, ce n'est pas grave. Par contre, soufflez, parce que prendre de l'air, vous le ferez automatiquement. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Je l'espère. Ne lâchez rien, ne lâchez pas. Vous êtes absolument incroyable. Vous pouvez continuer. On est parti pour le troisième mouvement. Donc, on tire à nouveau notre jambe au loin, on allonge. Donc, 30 secondes de petits mouvements circulaires. J'imagine vraiment que je dessine un CD ou un DVD avec mes orteils. Sans aller loin, sans faire de rotation du bassin, je maîtrise encore une fois mes abdominaux. Que vous soyez sur le coussin, vous tirez votre jambe au loin pour affiner. Hein, on veut des muscles étirés et longs. On lâche pas, on respire, on garde le sourire. C'est magnifique. Et on change le sens de notre cercle. 30 secondes. Au moins, je ne me trompe pas parce que je ne sais pas compter. Pas que je ne sais pas compter, mais quand je donne mes cours en Zoom, via Zoom, je suis toujours avec mon minuteur parce que sinon, je corrige beaucoup sur Zoom dans mes cours. Alors, je suis emportée à la fois par ma motivation et par vous corriger. Donc, tous mes cours en Zoom sont toujours en petit groupe pour vraiment prendre de l'attention pour vous. Ça va ? On relâche. Je pense que c'est le dernier. Alors, on est parti. Tout le monde s'allonge sur son coussin ou directement sur son coude. Les deux jambes sont bien étirées. On place la main en avant et on va lever la jambe. On tape en avant et on lève et on tape en arrière en maintenant bien les deux hanches l'une par-dessus l'autre. Donc, point 1, on garde la main en avant. Évitez toujours d'avoir la main en arrière parce que ça crée une rotation du buste et souvent ça va faire des twists dans le dos, ce qui pourrait créer des tensions. Fait qu'encore une fois, si vous n'êtes pas arrivé à aller jusqu'au bout de chaque série, c'est pas grave. Prenez une pause et revenez, puis refaites la vidéo, vous allez voir, vous allez devenir de mieux en mieux après chaque visionnement. Vous pouvez garder votre bras le long du corps, vous pouvez lever votre bras dans les airs si vous voulez travailler en plus vos abdominaux. Ne me lâchez surtout pas, on y est vraiment presque. Vous êtes super, alors on lâche pas.
toujours important de rester motivé, puis d'avoir de bons mots agréables, c'est toujours une bonne façon de se motiver. Tous ensemble aussi, c'est le fun, vous pouvez partager avec vos amis. Vous êtes prête? Parfait. Alors maintenant, je vais plier les deux genoux. Je vais attraper ma cheville, je vais étirer mon quadriceps. Donc encore une fois, ne cassez pas ou ne tirez pas votre talon vers votre fesse, mais basculez votre bassin ou vos fesses vers l'avant. Comme ça, vous allez sentir l'étirement de la cuisse, c'est ça l'idée. On va respirer. Donc même si on n'a pas travaillé les cuisses, c'est souvent un muscle très tendu à cause du, par le fait qu'on est toujours en position assis au travail. Puis si vous faites un travail debout, bah c'est la même chose. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez été magnifique. Merci infiniment. Merci de liker cette vidéo si vous avez aimé. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. C'est toujours un vrai plaisir de vous lire. Si vous avez envie de télécharger mon guide complètement gratuit de Pilates, vous avez juste à cliquer juste en dessous. Et j'ai aussi écrit un article sur comment affiner ses jambes après 50 ans. Alors, on se retrouve très bientôt. D'ici là, pratiquez et amusez-vous. Bye !